La nouvelle recrue de la série Demain nous appartient n'est pas un inconnu. Au contraire. La France a découvert Jean-Baptiste Monnier en 2004 dans le film Les Choristes, de Christophe Baratier. Voilà que le comédien, et chanteur à la voix d'or, s'apprête à incarner Benoît Letellier, le nouveau professeur de SVT du lycée Agnès Varda de Sète, également ami d'enfance de Lisa et de sa sœur Amel. Un rôle qui le ramène à un brin de normalité, lui qui n'a pas connu une scolarité classique. Je ne renierai jamais les choristes, assure-t-il dans les colonnes du magazine Télé 2 semaines. Ce film m'a permis de me découvrir une passion pour la comédie et de faire des rencontres formidables. Ça a été une expérience incroyable et unique. Mon enfance a en effet été particulière parce que j'étais en tournage et loupais donc beaucoup l'école. J'avais l'impression d'être déjà dans la vie active alors qu'on commençait à peine à nous y préparer au lycée. Jean-Baptiste Monnier, qui explique avoir connu des moments un peu plus compliqués, était notamment parti vivre aux États-Unis après le bac pour s'offrir un peu de nouveauté, de fraîcheur et d'anonymat. Nous vivons surtout à la campagne en dehors de ses carrières de chanteur, acteur, doubleur et apprenti danseur, il a participé à la 11e saison de l'émission Danse avec les stars, Jean-Baptiste prend son rôle de père très au sérieux. En couple avec Léa Arnezeder, il a accueilli son fils Ezra le 3 septembre 2019 et est devenu depuis un véritable papa pote. Dans ce monde, si est-il compliqué de trouver sa place, de savoir comment l'aider à grandir, assure-t-il. J'ai envie de lui transmettre les bons gestes en lien avec l'écologie. Il n'a que 3 ans et demi mais il a appris à trier les déchets. Je suis super fier de lui. Nous vivons surtout à la campagne, on passe beaucoup de temps dans la nature, à apprendre à protéger l'environnement dans lequel il grandit. Je veux aussi lui transmettre le respect, la gentillesse, la conscience du monde qui l'entoure. Retrouvez l'interview de Jean-Baptiste Monnier dans le magazine Télé 2 semaines, du 11 au 24 mars 2023.